chez moi. Alors, je vous présente mon appartement rien qu'à moi, toute seule. Ta gueule, il est à moi. Donc là, on est dans l'entrée, donc on a une très très grande entrée ici. Donc on pourra peut-être mettre un grand miroir ici pour que je puisse voir ma face. Donc, trop bien, ouais. Il y a beaucoup de place dans l'entrée. On pourra mettre nos meubles ici. On pourra mettre un buffet ou des meubles du pot ici pour aménager. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est vachement grand au niveau de l'entrée. Au niveau de ta gauche, on a le compteur juste là, donc tout est là. Le problème avec ça, c'est qu'il faut deux box avec un truc internet, un truc télé, c'est casse-couille. Et en fait, tu branches ta box internet là-dedans, après t'as internet de partout dans ton appartement. Donc ça, c'est bien. Voilà, c'est un grand placard pour arranger des petites choses aussi. Là, on a un autre placard. Ça, vachement bien pour mettre nos manteaux, etc. Là, on pourra aussi l'aménager. Il y a une trinque, il y a une planche, et je pense qu'on pourra même peut-être mettre une autre planche au-dessus pour mettre tout ce qui est drap ou autre, je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est vachement pratique. C'est très très bien. Il y a juste un truc que j'ai capté, c'est qu'ils ont mis de la peinture mate sur les murs. Ça, c'est dit. On met jamais de peinture mate sur des murs, on les met au plafond, on met que du satiné. Parce que dès qu'il y a des traces de fond de teint sur les doigts ou les doigts un peu sales, bah, il y a les marques de main sur les doigts. Ça, c'est pas trop ouf, mais bon. On est déjà très contents. Donc, au sol, je sais pas si vous allez voir, c'est pas un parquet, c'est un lino, effet parquet. Moi, les linos, je préfère ça parce que c'est très facile d'entretien. Tu fais un pet, et ben, ça n'enlève pas le stratifié du parquet. Donc, ça, je suis super contente. Ensuite, on avance un petit peu plus, on atterrit dans la pièce la plus importante de toute ma vie, le dressing, les chiottes. Donc là, c'est vraiment des grandes chiottes. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra mettre la litière de Bichette là. On pourra même mettre plein de photos ici. Non. Si. Non. Si, on pourra mettre des trucs, enfin, on pourra mettre même nos meubles hauts ici pour cacher un peu, pour mettre le PQ, les machins. Et puis là, il y a l'aération très importante quand Elisa y va. Ça, c'est le truc le plus important. C'est pour ça que j'ai pris cet appart-là et que j'étais OK parce qu'il y a ça. C'est un des critères. Et les toilettes ne fuient pas. Ouais, non, il faut regarder pour les notes. Ouais, il faut regarder pour les notes. Il y a aussi une prise dans les chiottes, donc quand il y a un monsieur qui est trop longtemps en chiottes, qui n'a plus de batterie, eh ben, il pourra charger son téléphone sur les chiottes. Ouais. On va mettre une télé. Il y a même un verrou sur les chiottes. Oui, bah oui, ça c'est, oui, c'est normal ça. Dans toutes les chiottes, il y a ça. Hein. C'est pas parce que chez toi, il n'y avait pas de chiottes. Ensuite, on a la première chambre, donc c'est la plus grande chambre. Elle fait 13 mètres carrés environ. Là, on a une grande chambre, on va pouvoir mettre le lit ici. On y est 160, je ne sais pas si on pourra le mettre, on verra. On peut mettre une télé ici vu qu'il y a des prises, donc on peut mettre un petit meuble fin avec une télé ou autre. Et là, on peut mettre aussi un dressing ou mes commodes. On va mettre mes commodes ici, ça rentre. Puis donc très très bien, on a un petit chauffage, comme ça si la nuit on a chaud, la froid, on a le chauffage. Sinon, bah, on a la grande baie vitrée. Ici, on est très bien dans la fenêtre. Et ce qui est bien, c'est que si on est dans le noir, désolé, ça arrive maintenant. C'est qu'on a, les stores en fait, et c'est super bien parce que nous on peut bien dormir dans le noir, être tranquille. Je vais voir jusqu'à où ça va faire noir. La lumière elle est vraiment bien. Ouais, moi aussi chez ma grand-mère je faisais ça, faites tourner les serviettes. Donc voilà, franchement c'est super, très très lumineux ici, vous allez voir, enfin là vous voyez pas grand chose. Donc voilà, ici c'est super lumineux, vous allez voir dans tout l'appartement, tout est blanc, tout est propre, tout est neuf. Donc voilà, on a une très belle chambre, au moins on a une chambre. Pas de ouf, mais on en a pas une, on en a deux. On a deux, voilà. Donc ça c'est la deuxième. Donc pour la deuxième, voilà, ça c'est... Donc ça, franchement, l'État a fait vraiment des bons choix de matériaux. Donc pas que la merde, les packs ça coûte quand même assez cher. On aurait pu prendre un truc de Loire-Marin à 100 balles. Il y avait quand même les packs. Donc ça c'est vraiment bien, c'est la première fois que j'ai un dressing, je suis contente. Ça fait tellement de dépenses en moins en vrai. Ouais. Parce que ça on voulait l'acheter s'il n'y avait pas. Ouais. Enfin... Non, ça fait tellement de dépenses. Ouais. Donc là, peut-être qu'on mettra, tu sais, la planche à repasser. Ah, ouais, voilà. Pas con. Là, on peut mettre une des autres étagères. Là, aussi, on peut mettre une autre trinque si on veut. Comme ça nous fait deux trous de t-shirts ou des étagères. Non, toi, t'as la partie droite, j'ai la partie gauche. J'ai la partie droite, t'as la partie gauche. Mais moi, j'ai le bas de la partie droite. Non. Donc là, je suis super contente, on a un dressing, on va pouvoir mettre nos affaires. Et puis, voilà, si ça manque de rangement, on aura un dressing aussi à l'entrée, donc ça c'est cool. Donc là, en fait, dans cette pièce-là, on va faire surtout un bureau. Un bureau, pourquoi? Parce qu'on travaille.
Bah déjà, il faut qu'on travaille, et puis de l'autre côté, tu as les deux prises de chaque côté pour le lit, tu vois. Ouais, donc c'est fait. Donc c'est pratique pour avoir ta bonne. Mais de toute façon, le lit, là, c'est pas possible. Mon lit, c'est trop grand pour ça. Donc je sais pas comment on va faire au niveau du bureau. Bah, soit on le met là. Soit on fait un truc comme ça. Avec un angle ici. Soit on le fait comme ça, en longueur. Bah, avec la fenêtre juste là. Mais il faut avoir la dimension. Soit moi, je préférerais le mettre dans le mur là, en fait, sur le mur ici, là. Mais ça fait pas beaucoup, je trouve que c'est pas. Bah, si, pour travailler, t'as pas besoin de 10 mètres. Hein. Ouais. Donc, en fait, nous, ce qui compte, c'est surtout la largeur de la planche plutôt que la longueur. Parce que vous l'avez vu dans notre vlog avec le romarin, etc. Je sais que vous êtes un petit. On cherche vraiment une planche pour ça. Donc, je pense que je vais demander à Mama pour demander des conseils parce que C'est bien d'avoir plusieurs avis en fait. Et au pire du pire, là, on peut faire un bureau sur mesure là. D'ici jusque là, ou sinon on a une bibliothèque là, parce que je pense que... Ah, je sais pas... Je sais pas si on peut mettre une bibliothèque. Bah si. C'est pas assez... Enfin oui, mais c'est... je sais pas si c'est la bonne largeur. Le pire se dépasse. Donc voilà, au moins on peut mettre une bibliothèque là, on a le dressing, on peut en mettre un bureau, donc c'est vraiment pratique, et toujours le chauffage, toujours des bonnes prises. On peut mettre une télé aussi là-bas. Non. Non, c'est l'autre chambre. Oui. Donc voilà, voilà pour la deuxième chambre. Là, c'est vraiment une chambre, il n'y a pas de prise télé, il n'y a rien, donc c'est vraiment un truc, on va dire, pour bureau, quoi. C'est un bureau. C'est un peu fait pour ça. Donc là, c'est la salle de bain. Une salle de bain. Donc elle est super grande. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un sèche serviette. Non, attends, on montre ça déjà. Donc là, il n'y a ouais. Personne, c'est fabuleux. Donc on a un grand miroir, on a des belles lumières pour voir toutes nos imperfections, hein, ça c'est parfait. On a un évier avec des petits rangements en dessous. Donc ça, c'est cool. Il nous a laissé des petits chiffons pour nettoyer. Et en plus, il nous a laissé de l'alcool ménager au citron. Voilà. Il nous a dit voilà. On pourra peut-être mettre un petit meuble, on verra ce qu'on pourra mettre, une petite plante. Oui. Là, un sèche-serviette, donc là, malheureusement, il y a une fissure. On ne peut pas faire grand-chose parce qu'il faudra enlever le sèche-serviette pour pouvoir réparer ses casse-couilles. Avec ma soeur, on avait fait ça chez elle, c'est bon. Donc ça sera laissé, et si ça s'aggrave, il faudra l'agence. Ensuite, on a une baignoire avec un plein de douches, on va pouvoir enfin prendre des bains, des douches, on en fait partout parce que les douches, je n'en peux plus. Le problème, c'est qu'il a fait un petit pet le monsieur quand on a fait le pardon, quand il y a eu le pardon. Ça fait un petit pet sur la baignoire. Ouais, c'est pas grave, hein, tant pis. C'est plutôt chiant pour le propriétaire, il a acheté une belle baignoire, il a eu tout ça, et malheureusement, il y a quelqu'un qui a fait. Pas trop fait attention, mais bon, ça arrive, c'est sur les risques du métier, on va dire. Donc voilà, très bon pardouche, bonne qualité, vu que quand même le verre est assez costaud, vu que c'est pas le verre qui a cassé, c'est plutôt la baignoire qui a cassé. Donc c'est la faïence de la baignoire. Ouais, ils ont cassé la baignoire avec le verre du pardouche. Ouais. Le truc qui est un peu chiant, c'est qu'ils ont pas mis de. En vrai, c'est arrangeant, en vrai, tant mieux. Parce que comme ça, on n'est pas en mode on l'accroche et puis on passe 3 heures sous la douche. On prend nos douches, on se casse. Oui, c'est justement, c'est pour ça. Non, mais je pense qu'on peut apprendre un truc pour... on va le coller. Pas coller, mais ouais, ventouser, ou je sais pas. Non, ventouser, ça tiendra pas. Ouais. Avec la flotte et tout, ça tient jamais, c'est tout. Ouais, ça pourrit dans les ventouses et après, ça tient plus. Merde, je te filmais pas. Mais, c'est bien le cadreur, hein. Non, mais je t'ai pas filmé pendant 30 secondes, ça va, calme-toi. Oh, ton revenu, hein. Donc du coup... Ok, donc je veux des revenus pour cette vidéo, merci. Alors par contre, tu vois, je vais capter un truc, c'est que là, si on veut mettre un petit, tu vois, le petit meuble à chaussures, là. Ah oui, tu veux, tu voulais les mettre là? Là ou là-bas, je sais pas. Là, ouais, il y a de la place ici, là, et la meuf, elle veut mettre un truc là. Parce que moi, je vois la place. Là, c'est la pièce maîtresse, c'est ce qui m'a fait le plus craquer sur cet appartement-là. Attends, on va montrer le salon, déjà. On va montrer le salon? Ouais, on montre pas la cuisine tout de suite. Là, on est dans le salon, donc il y a la partie canapé. La partie télé ici, moi je vais vous la renverser, mais il y a le chauffage là, donc pour le canapé c'est un peu casse-couille. Parce qu'il faudra faire quand même 25-30 cm du truc. Pour moi, on aura le cul chaud. Je pense que ça va déborder jusque là. Je pense que ça va déborder. Et là on pourra mettre notre meuble télé. On va mettre notre meuble télé juste là, on pourra mettre un grand miroir comme j'aime, je sais pas, on va faire un truc. Ah, le piano on va le mettre où? Ah ouais. En vrai, si on peut le. On peut le mettre à côté de la télé. Hein. Ouais. Donc, tout est là, on le met à gauche. Mais après, il faut qu'on puisse ouvrir la porte. Sans abîmer ton. Ah ouais, et ben on verra, on le mettra dans le salon. Enfin, ouais. dans la zone des chambres. On verra. Ah oui, il y a le balcon ici, juste à ma droite. Ouais. Donc, c'est un balcon tout à fait standard, un balcon normal. Et sur ma gauche, vous avez donc.
Le pire, c'est qu'on a craqué sur ça. Attendez, je montre pas tout de suite. Je mets sur le mur blanc. Je fais une explication, parce que j'aime bien faire des explications très très longues. On a craqué sur la cuisine, alors qu'on n'avait pas vu la cuisine. C'est-à-dire qu'on a vu la photo. C'était même un dessin, c'était un plan de la cuisine. On était là, ouais, c'est trop bien. Et là, en fait, elle est encore mieux que sur la photo. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, voilà la cuisine. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment beaucoup avec mon copain, avoir une belle cuisine. Donc là, nous avons tout d'abord un frigo. Donc ça, c'est tout ça, c'est pas à nous, en fait, c'est au proprio. Mmh. Donc le frigo, tout vient de chez Ikea, tout. Le frigo, donc tout est neuf, avec un congélateur, un frigo, enfin bref. Une hotte qui fonctionne, parce que chez vous, ça ne fonctionne pas. Mmh. Une plaque, alors je pense que c'est de l'induction, je pense, je suppose. Oui, normalement c'est l'induction. La plaque, il y a 4 emplacements pour les casseroles et les poêles. Et en plus, il n'y a pas un putain de meuble qui t'empêche de voir le fond. Ouais, parce que chez nous, on ne voit pas la plaque du fond non plus. Comme il est grand, il fait 2m10. Et puis il est obligé de se baisser comme ça pour... Je fais pas 2m10, 2m30 quoi. Ensuite, on a un four juste en bas, donc pour tout vient de chez Ikea. Je ne sais pas ce qu'est la qualité de chez Ikea. On verra. Dites-moi ça en commentaire. Et on a plein de petits rangements. On a des petits rangements. Ah, c'est mignon. Ah, c'est trop bien ça, on n'avait même pas vu. Voilà, on découvre. Ça se tient. Non, ça se. Si, c'est cool ça. Je pense qu'on a le dedans. Putain, c'est profond. Hein. Ouais. Franchement profond. Bah, ça fait la profondeur du truc. Hein. C'est ouf. Là, on a le. Ça, c'est bien ça. Pour les hippies. C'est pour les épices. Là, nous avons la chose la plus importante au monde. Je pense que ouais, ça, ouais. On passe des heures et des heures à faire cette chose-là. The lave-vaisselle. Waouh! On est trop contente. En plus, il est bien. Ça se fond dans le truc, je trouve ça trop bien. Donc, les boutons, ils sont là. Et c'est super, hein. Ça fait super pratique, vraiment. Là, on a les arrivées. Donc, ça, on va pouvoir essayer de mettre des étagères ou. On va mettre les produits ménagers. Les produits ménagers, vous savez, on va essayer d'arranger tout ça, de ne pas trop perdre de place. Ensuite, ils ont bien mis un petit meuble. Ah ouais. On a des petits rangements qu'on va découvrir. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de trucs comme ça. Bah deux, c'est déjà c'est suffisant. Ouais. Hein. Et on a encore un truc là. Voilà. Et là, on va mettre le lave-linge. Là, le lave-linge. Bien vers moi, monsieur. On a le plan de travail, donc toujours pareil, qui vient de chez Ikea avec les 4 chaises. La chaise coûte 200€. Donc si Bichette, ce couillon, il commence à 1, on déboîte. Et donc ils ont mis la planche sur un petit meuble comme ça. Tu vois, t'as encore des rangements. Donc on a des grands petits rangements pour mettre les casseroles, parce que c'est vraiment pratique. Mmh. Tu n'aimes pas le faire. Voilà, ça c'est le goal de vie de notre copain. Ouais. Et j'en ai découvert hein, que je connaissais pas. Ouais. Je vais vous le montrer. Bon là il y a un peu d'eau hein, parce que on a nettoyé un peu. Mais ça tu connaissais pas, je suis sûr. Ça c'est aimanté. C'est-à-dire que tu appuies ouais. Et tu retires. Et là ta bouffe, elle va pas se coincer là-dedans où c'est galère. Ça va se coincer là. Ouais, c'est bien. Et si tu veux nettoyer, tu peux retirer. Vas-y tire sur ça. Voilà, c'est aimanté. C'est génial. C'est trop bien. T'as un joint là pour pas que ça... Et donc là on a des prises, on a aussi des placards, j'ai pas montré. Multi prises. Des petits placards, des petits grands. Donc moi je peux pas attraper là-haut. Moi je on peux. On mettra des choses... On peut pas. On peut voir mettre des trucs encore au-dessus. Ouais. C'est mais donc, franchement c'est de la bonne qualité, c'est pas du mélaminé à la con. Des trucs en bois qui... Dès que ça pète on voit le carton en dessous quoi. Ça c'est vraiment du bon, c'est du laqué, ça coûte super cher. Il n'a pas mis de la merde, le mec, je suis contente. Non, je suis contente, il va pouvoir me faire à manger, donc trop contente. On va pouvoir faire des sushis tranquilles. Pour les meubles, on pensait là pour mettre, vous savez, les micro-ondes et tout, mettre une planche en fait, une espèce d'étagère. Ouais, mais il faudra prendre du mélaminé ou planche comme ça, je pense. En tout cas, je suis super contente. C'est exactement celui que je voulais d'appartement, on s'est battu pour. Bah on est arrivé, on a dit on le veut, et il nous a dit bah vous êtes les seuls, on a dit ok, et c'est parti. Mais je pense que c'est le karma, c'est Dieu, genre j'ai fait prier à Dieu juste avant, je lui dis ouais, s'il vous plaît Dieu, faites en sorte que j'ai un appartement rapidement, dans les critères, dans les prix, dans tout. Et là j'actualise la page de bien ici, et je vois ça, je veux putain. En plus c'était la même agence que j'avais vue dans le premier appartement là, si vous avez pas vu mes vidéos où j'ai visité les appartements quand j'étais petit. Franchement, j'ai trop kiffé. Et... Parce qu'en fait, on a visité le jeudi, juste après les coiffeuses, la conciliation, le 13 février. Qui tchou 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 tchou. Et franchement, ouais, on s'est dépêché et tout, déjà on était en retard et tout. Oh mon dieu, la galère.
Et ensuite, on a visité, on était les seuls, il nous a dit j'ai pas de visite avant mercredi prochain. On avait tout le time pour... Avant mardi. 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 Donc franchement, dans ce genre de bien, pour ce prix-là, vraiment, c'est... ça part vite. Tu leur donnes le prix ? Oui, c'est 900 euros, je leur ai dit. Ouais, ok. Un bien très proche de Paris, on est à la limite de Paris. Et ce qui est bien, c'est qu'à côté, là, c'est des petits vieux, donc on sera tranquille. Et même, tout à l'heure, il y avait du bruit, on n'entendait rien à cause du double vitrage, enfin, grâce au double vitrage. Et trop content, donc là, on est sur le balcon. Donc on va pouvoir mettre une petite table et tout. Et c'est calme, hein. Et il fait hyper froid dehors, et à l'intérieur, il fait hyper bon, alors qu'on n'a pas de chauffage. Donc ouais, je suis trop contente, on a la place pour mettre une petite table, un petit potager. On n'aura pas la place par contre pour l'armoire de rangement en fait. Ils ont mis un petit truc là d'évacuation, donc ça c'est pratique. Donc voilà, c'est hyper lumineux, c'est hyper... Enfin, je pense que vous voyez sur la vidéo, c'est hyper lumineux. Je pense que pour la vidéo ça va être vachement bien. Je vais vous faire pas mal de petits vlogs déco, des vlogs, des vlogs d'éménagement. De toute façon, je vous ai fait une petite playlist, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc là je suis en train de vlogger, donc ça vous l'aurez vu après le vlog où j'ai les clés, la remise des clés. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous plaît, de toute façon ça nous plaît, c'est le principal. Et même, enfin, comment dirais-je, les détails de l'appartement, genre les lustres là, au-dessus là, on n'a pas besoin de percer dans le plafond pour accrocher un lustre, c'est un système beaucoup plus innovant. Moi j'ai pas encore compris parce que... Voilà, on va laisser faire expert. Donc voilà pour mon appartement tour vide, je vais bientôt le remplir, je sais pas quand. Aujourd'hui on va commencer à remplir les cartons, on l'a déjà vu dans le vlog, donc je pense que je vais vous laisser. Bref, je vais vous laisser, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, faire un maximum de likes, de commentaires, de tout ce que tu veux, ça me ferait super plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, donc ça sera juste là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.